Québec, c'est un beau milieu là, pour travailler en psychiatrie, juste assez grand, juste assez petit. Donc, en étant un gros programme, on a une grande diversité de stages, finalement, et une grande diversité de milieux de stage. Fait que ça permet aux résidents d'aller explorer différentes façons, différents types de pratiques, différents types de supervision et de voir différentes pathologies. Puis en même temps, bien, on n'a pas les désavantages d'un milieu qui devient un peu impersonnel. Donc, on a vraiment, tous les résidents se connaissent ensemble, les résidents connaissent la plupart des psychiatres et vice-versa. Ça fait que ça permet d'avoir un côté très relationnel, un peu familial. La direction de programme est vraiment intéressée là, à ce qu'on ait une solide formation de psychiatre et à constamment parfaire la formation qui nous est offerte. La convivialité entre les résidents, entre le corps professoral, avec les patrons dans les hôpitaux. Donc ça, c'est un point que je trouve vraiment génial. Les résidents peuvent s'impliquer vraiment beaucoup. Il y a l'ARPUL, l'Association des résidents. Donc, il y a plusieurs types d'implications au comité de programme, sur tous les comités. Il y a des résidents qui sont là, puis leur rapport est très, très important pour nous. La psychothérapie, c'est vraiment une de nos forces. Ici, on a un programme qui est solide avec une directrice de programme aussi qui est très attentive aux besoins des résidents. On a une formation solide dès le début de la résidence avec les cours de psychothérapie généraux, mais après ça, le soutien, la psychodynamique longue, la TCC. Il y a vraiment des espaces qui sont réservés en début de parcours là, pour effectuer des psychothérapies puis effectuer les supervisions en groupe. Qu'est-ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on est en sous-groupe de plusieurs résidents. Donc ça permet aussi d'échanger avec les autres résidents puis de voir là, plus de cas et donc d'être mieux exposés. La place de la recherche au sein du programme de psychiatrie à Québec est vraiment privilégiée. On a accès quand même à beaucoup de flexibilité de la part de la direction de programme pour organiser nos horaires. Ça développe aussi un côté d'interaction, de travail en équipe avec d'autres collègues qui est intéressant. Puis un très bon soutien aussi pour le projet. Les résidents ne sont pas laissés à eux-mêmes. Dès la deuxième année, on doit se regrouper quelques résidents ensemble, trouver un directeur de recherche qui va nous guider à travers tout notre projet. Fait que ça va être vraiment un projet de A à Z qui va nous exposer à tout le moindre aux bases de qu'est-ce que c'est la recherche. Donc à Québec, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Si on est plus en mode de citadin, bien c'est sûr qu'il y a beaucoup de dynamisme, là, les éléments culturels, les restos, les activités, festivals, tout ça, là, on en a quand même plusieurs. C'est une ville qui est assez vivante, il y a beaucoup d'aspects culturels à exploiter à Québec. À quelques kilomètres, on peut se retrouver dans des parcs nationaux, on peut se retrouver à faire du ski, de la randonnée pédestre. Donc, je trouve que c'est une ville qui offre un combo urbain et nature. Trois mots pour décrire le programme de résidence en psychiatrie à Québec. Je dirais que c'est un programme qui est dynamique, qui est à l'écoute de ses résidents, puis qui est vraiment solidement bâti. Dynamique, soutenant et chaleureux. Relations, respect et succès. Le succès pour devenir d'excellents psychiatres.